Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale pour la simple et bonne raison que enfin, ça y est, on a reçu, on va dire, les lumières qui sont juste ici. C'est vrai. Ensuite, on a d'autres choses à vous dire. Tu sais qu'il vient de bouffer une bête. Genre, elle était accrochée au mur là comme ça. C'était un petit papillon, il l'a bouffé. C'est gros sac. Comme je disais, on a reçu les nouvelles lumières donc pour le live, tout simplement. Et aussi les potes, on a quelques trucs à vous dire par rapport à ce soir. On n'est pas sûr d'être en live ce soir, je vous le dis d'avance. Même quand je vous dis pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Ouais. Tout dépend à quelle heure on finit en fait, parce que ce soir on a des invités. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais juste vous montrer ces deux petites choses là. Yes. Regardez. Alors c'est les lumières qu'on était, enfin ouais, qu'on devait recevoir. Alors du coup, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme ça. Et grosse déception. Attendez, je vais vous montrer. En fait, il y a juste un bouton à tourner. Grosse déception. En fait, il y a juste une partie qui fonctionne à chaque fois. Voilà. Donc on s'est fait un peu niquer. Là, il y a la partie droite qui fonctionne pas, la partie haute qui fonctionne. Ouais. Alors j'ai testé un petit peu. Voilà. Non, ça va, j'arrive à le faire fonctionner, tu vois. J'ai testé un petit peu au niveau stream, on va dire, j'ai fait un petit test ou quoi. Ça va plutôt bien, on verra un petit peu si ce soir on lance un live, comme je te disais un peu plus tard dans la soirée, on verra. Avant de commencer les potes, n'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo, je compte vraiment sur vous pour que vous explosiez cette barre de like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. À 500 000 abonnés, on vous donnera des indices sur la fameuse pièce secrète qu'on a dans notre nouvelle maison. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne à vos potes, c'est très important. Regarde. Elle s'est éteinte cette connasse, enfin elle s'est éteinte. En fait, il est obligé de serrer le truc pour que je comprends pas. Ça a aucun sens, la couillade. Du coup, les potes aussi, en vous parlant de ça, donc n'oubliez pas de nous soutenir dans la boutique avec le code DUO, très très important. Merci à ceux qui le feront après cette vidéo. Avant de dire, j'avais mis le code et hier pendant le live, vous avez été nombreux à me spammer pendant la, enfin, au tout début du live à me dire ouais, Roro, remets le code, remets le code. Et moi, j'avais pas tilt en fait. Et c'est vrai qu'en fin de live, j'ai regardé et j'avais plus le code créateur soutenu DUO en fait, tout simplement. Et en fait, il s'était enlevé au bout de 2 jours, 3 jours. Du coup, oubliez. Pas de le remettre, pensez bien le remettre à chaque fois que vous lancez votre jeu, je sais pas, normalement c'est tous les 14 jours qu'il devrait s'enlever, mais là je sais pas pourquoi il s'enlève comme ça. Chelou. Merci à tous ceux qui le feront en tout cas, c'est gentil. Du coup les potes, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir on reçoit des gens à la maison, donc c'est des potes à nous tout simplement, on va faire un petit barbecue, on va tester le barbecue. Malheureusement là, l'heure où je suis en train de vous parler, il est en train de pleuvoir un petit peu. Donc le petit barbecue, voilà, je sens que le barbecue va finir le garage. J'avais regardé la météo, apparemment c'était juste la pluie, elle était censée tomber de 18h jusqu'à 19h. Ouais, donc, une petite averse. Logiquement, après il devrait faire soleil, ouais, c'était une petite averse. Parce qu'en vrai il fait pas super moche, hein, c'est juste qu'il pleuviote quoi. Bref, du coup, voilà, nos potes directement nous apporteront la viande pour le barbecue. Mais nous on va faire un petit à côté, je pense qu'on va préparer soit un accompagnement, enfin c'est même pas soit un accompagnement, on va préparer un accompagnement et plus on a pris pas mal de trucs apéro, donc on va préparer tout ça avec vous, ouais. Yes. C'est parti. Du coup, let's go descendre. Parce que je vais pas faire la cuisine dans la salle de bain, tu vois ce que je veux dire? Ah, ma couiquette! Il était tout bizarre aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Ouais, bah comme hier, il était un peu fatigué. D'ailleurs, les potes, je tiens à vous remercier par rapport à hier, par rapport à ça. Bon, je suis désolé, il y a encore plein de cartons, on a encore reçu des colis aujourd'hui. Je tiens à vous remercier par rapport aux étagères, même par rapport aux micro-ondes ou par rapport aux meubles. Parce qu'il y en a plein qui nous ont donné des conseils pour l'agencement et c'est cool, franchement, les potes. Comme ça, au moins, on, bah, si vraiment on veut réagencer au niveau du lave-vaisselle, du micro-ondes, on pourra, tu vois. Bref, sans moi les ustensiles, il y a pas mal de trucs au frigo. Je te montre, enfin, je te laisse montrer un petit peu tout ce qu'on a. Déjà. Il y a des trucs comme ça, donc c'était des trucs à les fines herbes jambon. Yes, donc ça c'est plus apéro ça. Apéricule, on a des apéricules aussi. Mais il y en a 2 boîtes, mais je pense qu'on va en prendre 2 parce qu'on est quand même 7 ce soir. Ouais. Donc il y a 2 boîtes. Il y en a encore une troisième. Oh, non, ça va tout tomber. Ok, donc ça. Ah, il y a une deuxième boîte de. Ouais, j'en ai pris 2. C'est pas les mêmes, échalotes et ciboulettes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, je crois pas. Échalotes et ciboulettes, et là c'est. Elles fines herbes, ok. Plus un autre apéritif. Après, bah, le barbecue il est là. On va, de toute façon, on verra ce soir ce qu'on fait avec. Ensuite, il y a de la charcuterie. Ah oui, il y a de la charcuterie. Ouais, si on en veut, mais bon. En apéro, il y a pas mal de charcuterie. On avait pas mal. Il y a des saucisses aussi si on voulait couper, genre pour faire des petites knacky, des trucs comme ça. Il y a des petits poulets Tex-Mex à la limite, ou alors ça, des petits nuggets. Ensuite. En accompagnement, tu veux faire quoi toi? Alors, soit frites. Soit on fera des chips, des trucs comme ça. C'est un frite. Mais en frite, alors attends, parce que déjà j'ai ça là. On a des fingers comme ça là, à la limite. Ouais, ça c'est grave bon ça. Où on a des potatoes et des frites. Ouais, yes. Ou des pizzas. On a de quoi faire, on a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Pareil, en apéro, de toute façon, je vais sortir des trucs. Hein. Ah, il y a pas mal de chips. En fait, cette vidéo est utile parce que du coup, je prépare l'apéro en tournant une vidéo. Oh là là, aïe aïe aïe. On va bientôt aller à la déchetterie, les potes. Aïe aïe aïe, ça a pris tout le garage. Immense, bah ça c'est avec tous nos déménagements en fait. Alors, il y a des croquesels. Ouais, il y en a. Ensuite,
Il y a des pains beaux pour hot dog aussi. Des petits chips froidés. Ouais, yes. Des curly. Des onion rings. Des extraterrestres goût ketchup. What the fuck? Comment ça, goût ketchup? Piccolo. Il y a encore des snacks goût bacon. Et après... Enfin, pas sûr, nos autres chips. Ah, ben les autres chips qui sont là-bas. Ouais, il y a d'autres chips aussi qui sont dans le salon. Et là, c'est tout ce qui est sucré, voilà, je crois. On va éviter de servir ça à l'apéro, si tu veux ce que je veux dire. Brioche et Nutella, les gars. Tu vas pas tout prendre quand même. Je prends quoi? Je sais pas, ça va te décider. Attends, attends. C'est ça que tu as préparé, donc c'est à toi de décider. Alors, moi, je dis, on prend des curly déjà. Ouais. On prend des chips 3D. Et là. Après, il y en a déjà qui sont entamés en vrai. C'est vrai. Mais là, on prend quoi? Je sais pas. Hein. Bacon, ça c'est aussi à quoi ça? Vous nature? Ouais. Vas-y, on prend du ketchup. On va tester, hein. Hugo, viens. Hop là. Faudra peut-être y remettre au frigo, non? Avant qu'ils arrivent quand même. Bah oui, non, mais c'est juste pour vous montrer dans la vidéo. De toute façon, on va tout mettre en place dans le frigo. Et du coup, en termes de verre, je sais pas comment on est. Si, c'est bon. C'est parfait. Hop là, hop là. En plus, c'est pas des verres de petites tapettes, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est là, des gros verres. Là, c'est des verres, là. Là, c'est des gros verres. Très verts. Hop là, faut que je fasse un peu sur la table aussi. Tu en es combien? 4? 4 là pour l'instant, pendant. Je te regarde faire. 6. Il faudra que j'en avance. Bon, faut tout qu'on nettoie avant qu'ils arrivent, là. Il y a encore le carton de vaisselle, là, qui est là. Yes, c'est vrai. On enlève d'ailleurs, parce que... Oh, la pluie, non. Ça va sécher, ça va sécher. Je suis dégoûtée. Dans une demi-heure, il fait soleil. Bon, sans parler d'apéro, voilà ce qu'on a reçu. On a reçu enfin le produit pour limaces qu'on a. Oh, l'oreiller sous la pluie. Ça, c'est les idées de Roro, ça, l'oreiller sous la pluie, c'est pas moi. Hein. Non, mais Bad, il va tout pourrir là. On a enfin reçu le produit pour limaces. Ça y est, enfin. Alors, vous inquiétez pas, justement, je me suis renseignée puisque c'est un truc qui est. Même si en gros les chiens et les chats ils y bouffent, c'est pas nocif pour eux en fait. Ah, c'est pas nocif. Du coup, j'en ai pas barbouillé partout aujourd'hui, c'est ça, j'aurais dû. C'est limaces, c'est ça? Ouais, je sais pas, ça doit peut-être. Là, les... c'est marqué qu'il y a un truc validé pour chiens et chats. Ouais, ouais. Donc, du coup, bah, je sais pas comment on va mettre ça. C'est vrai que j'aurais dû en mettre aujourd'hui parce qu'au final, il a bouffé des escargots aujourd'hui. Manger, moi. Je peux pas éviter, genre. Non, je demande juste. J'en sais rien, moi. Les gars, dans le chat. Dans le chat. Dans le chat. C'est pareil. Je sais pas. Oui, bref, du coup, voilà pour en reparler. Bon, on parle d'apéro, voilà, on parle qu'il y a des gens qui vont venir. Donc, là, il est à l'heure où on tourne cette vidéo. Je crois qu'il est 17h50, là, à peu près. Yes. Du coup, ce qui va se passer, les potes, c'est que, tout simplement, l'apéro, on va le commencer vers 19h, je pense, 20h. Et ensuite, on ne sait pas encore exactement à quelle heure il va finir en fait. Sachant qu'on va manger, on va faire barbecue tranquille, donc. Du coup, donc on ne sait pas exactement les potes, c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne savait pas si on était vraiment en live ce soir. Alors peut-être qu'on lancera un live vers 22-23h, on ne sait encore pas trop, tu vois, justement à quelle heure on va terminer. Du coup, voilà les potes, de toutes les manières, voilà, c'est. Tu vois, il recommence à faire soleil là, tu sais. Ah ouais, j'avoue. Tu vois ? J'avoue. Donc du coup, voilà les potes, on préfère vous prévenir et carrément vous en faire une vidéo pour dire, voilà, ce soir on a apéro, barbecue. Comme ça avec des potes et puis au moins voilà c'est le premier qu'on va faire à la maison entre parenthèses, on va voir ce que ça va donner et puis, non, mais sachant ça... qu'on a déjà le charbon en plus, il y a ouais. Le petit barbecue qui est prêt là-bas, bon faudra j'enlève les trucs à picot dessus là, du coup c'est devenu une réserve à picolo le temps qu'on fasse des barbecues, mais on a déjà deux gros sachets de charbon, du coup ce soir ça va y aller là, ça va mais y aller. Donc du coup voilà les potes, on sait pas encore trop, je suis désolé un petit peu, en plus de ça là ce soir il y a la coupe Fortnite, enfin il y a la coupe Fortnite, il y a les qualifications pour les World Fortnite, donc c'est les demi-finales en solo cette semaine, donc c'est la 7ème semaine, il restera que 3 semaines après. Du coup moi je vais aller la faire, je vais laisser Vava préparer tranquille, bon ça va, il n'y a pas grand chose à préparer. Bâtard ça par contre. Il n'y a pas grand chose à préparer. Ça va. Il y a juste les sachets à ouvrir. Ouais, les sachets à ouvrir, la vaisselle à faire, nettoyer par terre et monter la vidéo. Oh, d'accord, j'avoue. Moi je vais aller la faire, vite fait les potes, enfin je vais aller la faire dans le sens où je sais que les invités arrivent vers environ 19h. Du coup, j'aurai une heure pour la faire environ. Mais si tu vois que tu fais de la merde, par contre, tu t'arrêtes et tu viens m'aider. Exact. Ça sert à rien de continuer. Ah, je vais faire une heure, quand même. Si je t'entends hurler, c'est simple. Je t'entends hurler, je t'arrête direct. Tu viens m'aider. Si je vois qu'en une heure, je fais du sale, que je peux me qualifier, je continuerai. Même quand il y a les invités. Parce que les gars, ce que vous savez pas, c'est que même quand on était dans l'appart, ils se permettaient de hurler à la mort. Mais quand je vous dis ça, c'est que je croyais qu'on l'égorgeait tellement. Alors que dans la maison, ils crient pas forcément, tu vois. Donc là, si je t'entends hurler. J'ai pas encore ragé. Ouais. Parce que quand on est en live, vous dites, ouais, Roro, tu rages, vous avez rien vu. En live, j'explose tout, en fait, vraiment.
J'avais bon, même pas le calmer, moi. Bah voilà, on est témoin. Du coup, moi, je vais faire ça. Je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui participent peut-être éventuellement. Une bonne soirée si jamais on se retrouve pas en live ce soir. On se retrouvera bien sûr demain soir. Mais voilà, on se retrouve demain. Demain, faites des mères, en fait, pour ceux qui ont oublié peut-être. Pensez-y. Pensez-y, les enfants. N'hésitez pas à nous dire les cadeaux que vous allez faire à votre maman. J'essaierai de lire les commentaires et de m'inspirer. Je rigole, bien sûr. Bref, les potes, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, sûr et certain. Peut-être ce soir pour le live. En tout cas, comme Aval vous a dit, on vous souhaite une super bonne soirée. Merci à ceux qui likeront la vidéo, ceux qui s'abonneront à la chaîne. Et bien sûr, bah, vous êtes les meilleurs ceux qui mettent le code JO dans la boutique. Peace!